Bonjour à tous, c'est Mythidoka. On se retrouve aujourd'hui sur le jeu Last Day on Earth et on va valider aujourd'hui quelques quêtes. Alors, la dernière fois, je vous ai fait une vidéo sur l'ours. Entre-temps, l'ours, je l'ai tué. Alors, semaine 2, hop, tuer l'ours zombie. Je voulais vous le faire en vidéo, mais je l'ai tué sans faire exprès, en fait. Je l'ai tué donc à la machette et à la masse à scie. Et j'ai dû le rencontrer une dizaine de fois, je crois, pour le tuer. Donc je l'ai rencontré en zone orange et en zone rouge de pain et quand les venti pop. Et quand vous tuez l'ours zombie, vous avez des récompenses. Donc je vais vous montrer, j'ai fait un screenshot des récompenses. Alors je vous demande un instant, hop. Voilà, ça ce sont les récompenses que vous pouvez avoir donc avec en tuant l'ours zombie. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Ça fait 160 fioles de chaque, plus des dents. Donc voilà, c'est... Après, par rapport au nombre d'armes qu'on utilise, des armes de corps à corps, etc. C'est vrai que ça fait un peu chéro. Enfin bref, alors aujourd'hui, on a quoi à faire? On va vérifier. Alors, tuer Lucy Luke avec un Glock. Ok, faites pousser 3 carottes. Hein. D'accord, on va mettre les carottes à pousser. Je crois que j'ai des graines quelque part. Voilà, on va prendre ça, on va tout mettre. Hein. Hop, et on va tuer Lucy Luke. Non, c'est pas ici. Je sais pas pourquoi je vais au feu de camp. Hop, nickel. Et il y a quoi d'autre à faire? Pardon, je bafouille. Semaine de fin. Trouver 8 posters au bunker alpha. Trouver 25 posters, donc je suis à 15. Ok, 14. Traces d'ours. Il me reste 3 zombies à tuer. Enfin, non, 5 zombies à tuer à la vieille mine. Et 10 zombies au bunker alpha. Bon, on va aller au bunker en fait. En même temps, on va se faire un petit pack opening, on va se faire plaisir. Allez, c'est parti. Donc, on va prendre les tickets. Hop. On va mettre ça là. Séparer. Séparer. Voilà, on a les 30 tickets comme ça. 30, 25 comme ça. Il nous faut des verres. Donc, vous voyez, je suis à 1954 dents. Donc il me reste encore quelques dents à avoir pour pouvoir valider la quête de la semaine dernière. La quête de la semaine dernière, c'était 3000 dents, je crois, qu'il faut dépenser auprès de Nick Noël. Donc celui-là, je ne l'ai toujours pas validé. Et au niveau des affiches, je suis à 14 sur 30. Je n'ai pas validé la première semaine. Hein, voilà, le C4 ne m'intéresse pas forcément puisque du C4, voilà, j'en ai. Donc c'est plus la batterie qui m'intéresse, sachant que je trouve que c'est beaucoup d'armes d'utiliser pour quelques items. Le code du bunker, hop, on va regarder. Oui, si je bégaye pas du doigt, 88 355, pardon. Allez, on va aller au bunker. C'est parti. Ouais, non, si je dois tuer des zombies et tout, faut peut-être que je prenne des armes, je sais plus ce que j'ai au bunker. Puis faut que je prenne un Glock pour Lucy Luck. D'ailleurs, on va prendre ces fioles, hein. Comme ça on va le valider au passage. C'est celle-là, je crois. Voilà. Donc faut que je la tue une fois, je sais pas combien je vais en prendre. On va faire ça comme ça, on va en prendre 6. C'est suffisant. Et parce que je crois que c'est 4 le premier, et on va prendre de quoi se faire le bunker. Hein. Prendre des machettes. Voilà, c'est suffisant, je pense. Hein. Et le Glock, à pas oublier. Hop, petit Glock qui va bien. La dernière fois qu'on a fait le bunker ensemble, j'avais fait le SS3 pour vous montrer où étaient les affiches. Là, je vais vous faire le SS2. Comme ça, on va varier un peu les plaisirs. Et puis, si vous voulez voir où sont exactement toutes les affiches, il y a Benichou qui a sorti une vidéo avec les endroits où vous pouvez trouver les affiches. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. La vidéo est très bien faite. Il a fait des ellipses. Il vous montre juste les endroits où vous pouvez les trouver. Donc, c'est plutôt pas mal, je trouve. Allez, on va se faire Lucy Luck. On va faire ça comme ça. Ah ! D'accord. Ben, on reviendra. J'ai pas le nombre de fioles. J'ai pas du tout préparé la vidéo, c'est parfait. On va en rechercher. Hein. Hop.
J'ai zappé. Allez, c'est parti. On va chercher les fioles qu'il nous faut. Alors, un aller-retour pour rien. Un petit tour gratuit. Je ne sais plus combien il en faut. On va en prendre 46. Je pense que ce sera suffisant. Sinon, au pire, je ferai un autre aller-retour. Désolée, je perds ma voix. Allez, let's go, c'est parti. On va s'occuper de la radasse et après on file au bunker. Alors, go, petit temps de chargement. Ça, on s'en fiche. Hop. Ce qui est embêtant, c'est que j'ai perdu un peu d'énergie. Mais bon, c'est pas grave, on va faire avec. En plus, celle-là, elle est vite. On la tue assez vite. Hein. Là, je la fais au glock, mais habituellement, je la fais à la machette. Hein. Allez, il en fallait 10. C'est parti. Vas-y, grogne. Je m'en fiche, même pas peur. On va faire exploser le petit parasite. Je trouve que ça va plus vite à la machette. Voilà, tâche accomplie, nickel. Allez, toi tu exploses, on va prendre les chicots. Impeccable, allez, c'est parti, on s'en va, on file au bunker. L'autre tâche, c'était quoi déjà? Ah ouais, faire pousser 3 carottes, les carottes c'est la vie. Allez, c'est parti, bunker. Alors du coup, on va aller voir où se trouvent un peu les affiches OSS2. Peut-être pas toutes, parce que sinon la vidéo va durer pendant 3 plombes. Et ça va être un petit peu long puisque je fais avec le wall trick. Hein. On va se faire le petit pack opening qui fait plaisir. Et puis bah après on verra la prochaine vidéo. Je sais pas, peut-être du coup ce sera la semaine prochaine, je pense. Hein, avec la nouvelle semaine qui va commencer. Elle est dans combien de temps d'ailleurs? Dans 3 jours, ouais. Donc ce sera sur la prochaine semaine. J'avais dit 88, 355, je crois. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Donc, vous aurez cette vidéo aujourd'hui ou demain, en fonction de mon réseau. Comme d'habitude, on va poser ça là, ça ici aussi. Ça, on en a besoin. On garde l'arme à feu et on va prendre la machette. C'est parti! Donc là, on va valider quelques tâches, puisqu'on doit tuer des zombies, récupérer des affiches, etc. Alors, on va essayer d'ouvrir les yeux. Est-ce qu'il y en a là? Non, il n'y a pas d'affiche ici. Ok. J'ai soif, ça commence bien. Tu ne peux pas avoir soif à un autre moment, toi. Allez, on va s'occuper de lui. Du coup, on va ouvrir toutes les pièces. Habituellement, je n'ouvre pas les autres pièces, mais là, on va regarder s'il y a les affiches. Là, il n'y avait rien. Allez, viens là, toi. Il met de ses coups de tatane. Hop, on va prendre le petit soin. Donc là, il n'y a pas d'affiche. Dans la pièce d'à côté, il n'y a pas l'air d'en avoir. Ok, il n'y en a pas. On va aller chez l'expert. Est-ce qu'il y a des affiches ici? Il n'y a pas d'affiche. Ok. Alors, ensuite, zombac suivant. On regarde en même temps s'il y en a ou pas des petits posters. Hop, ça c'est fait. Au suivant. Hop, celui-ci. L'arme s'est cassée. Ouais, on va faire ça comme ça. Voilà. Alors, on va ouvrir ça. Ah, je crois qu'il y en a une en bas là. Il me semble. Alors, hop, on va prendre ça. Le marteau, je m'en fiche. Là, il y en a une. Voilà, là, il y en a une. Hop, premier poster. Tâche accomplie. On a accompli quoi comme tâche? Non, c'est pas du tout là. Alors, 15 posters de Jessie Sauvage. Donc ça, c'est fait. Trouver 8 posters au bunker alpha. Donc là, on en a un. Je suis à 16 sur 25 pour les 25 posters. Et 10 zombies au bunker alpha. Donc on en a déjà tué 6. Ok. Allez, on va mettre les tickets. On va se faire un petit pack opening en même temps. C'est plutôt sympa. Voilà, on va pas oublier de fouiller la poubelle. J'ai un truc à récupérer. Ok, des rations. Ouais, bon, on va les prendre. Voilà. Et ici,
Alors, voyons voir ce qu'on a là-dedans. En même temps, on va déposer 2-3 trucs. Ok, un glock, une pelle, ça me va. Ok, bon, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ma tenue, elle en est où? Je vais peut-être la changer. On va faire ça comme ça. Ou alors, je prends celle-là et je prends l'autre sur moi. Alors, attendez, parce que c'est le bazar. J'aime pas ça quand c'est le bazar dans mes trucs. On va ranger un peu. On va prendre ça parce qu'on va en avoir besoin. On va mettre la tenue ici. Et puis, c'est nickel. Est-ce que t'as faim? Oui, t'as faim. Alors, on va manger avant de partir. Voilà. Alors, ici, il y a quoi? Ok, une M16, un Glock, ça me va. Une petite tenue tactique. Les capsules. Nickel. Petite caisse tranquillou. Et là-dedans, il y a quoi? Oh, ça, c'est pas mal. Deux M16, deux AK, le réservoir. Hein, donc, pour ceux qui le cherchent, vous pouvez le trouver ici. Un rouage pour la TV. Une tenue SWAT, ça, c'est nickel. Une petite tenue tactique. Oh, pétard. Un C4. On a de l'acide et les capsules. Ben, ça, c'est jackpot quand même comme caisse rouge. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve ça plutôt pas mal. Allez, let's go. On va au SS2, puisque la dernière fois, je vous ai fait le SS3. Et on va aller taper sur des moches. C'est parti. J'ai la masse assis. Alors attendez, je regarde quand même. Là, il n'y en a pas. Ok, là, il n'y en a pas. On va avancer un peu plus vite. Non, tu peux pas? Tant pis. On va prendre la masse assis. Allez, c'est parti. En randonnion, il y aura une claque pour tout le monde. Hein. Pour moi aussi d'ailleurs, parce que là je suis en train de. Tâche accomplie. Ça c'est nickel. Voilà. Allez, petit CC qui va bien. Voilà, ça c'est fait. Alors, petit ticket vert, je pense. Voilà, ticket vert, c'était sûr. On va peut-être se healer un peu quand même. Alors, celui-ci. Vient la pépère. Petit CC. Ça, c'est fait. Un ticket vert. On va finir la masse assise ici. Alors, là, il n'y a pas d'affiche. Ok. Là, il y en a une. Ah, elle est sous le pieu, ici. Donc, ça fait la deuxième qu'on a trouvée. En général, il y en a trois par étage. Donc, on n'a plus qu'à trouver la troisième. Trois ou quatre. Ok. Comment on va les négocier, les autres? On va leur mettre un petit CC. Ça peut être pas mal. Hein. On va passer par là. Allez, venez là, les moches. Ah, je me suis fait coincer. Ah, lâchez-moi. Allez, venez. On va se faire un petit wall trick. Voilà, nickel. Allez, avancez-vous. Là, c'est parfait. Toi, tu dégages. À ton tour. J'ai bien fait de prendre la deuxième tenue quand même, hein. Hop là, ça c'est fait. Un petit ticket orange, ça me va très bien. On va regarder là-dedans. En général, il y a du soin. Donc on va voir ce qu'on trouve. Ok, du soin, ça me va. De la flotte. Et puis ça, je vais le prendre puisque j'en ai besoin. Parce qu'avec cette saison-là, j'utilise énormément de soins puisque j'y vais à l'arme de corps à corps. Allez, venez là les pépères. On va se planquer derrière le mur. Allez, avancez. Il manque le deuxième. Avancez-vous. Ah! D'accord. C'était pas du tout prévu. Le petit fail. Avance-toi. T'es trop loin. Voilà. Hop. Petit wall trick. On se concentre. Voilà, ça c'est fait. On va aller voir dans la pièce là-haut s'il y en a. On va prendre un petit soin. Voilà, nickel. Bon, déjà, il n'y a pas de poster ici. On va regarder dans l'étagère. En même temps, on va prendre ce qu'il y a, hein. Ou pas. J'en ai pas besoin, donc c'est ou pas. Alors, ici, moi, ce qui m'intéresse. Ah! Bah, décidément.
Allez, machette. Toi aussi, le géant, on va l'attendre de l'autre côté. En attendant, je vais me huiler un peu. Parce qu'une tartine, et vu la tenue que j'ai, je risque de pas faire long feu. Allez, quand tu veux, Pépère, qu'est-ce que t'es long? Doit avoir des origines suisses. Désolé pour nos amis les Suisses, mais il a de tension. Allez, voilà. Ok, je suis un peu loin. Me concentre un minimum. Ah, ça pique, hein? Ouh, le petit 59 qui fait plaisir. Hey, ça c'est bien ça. Petit ticket rouge. Ouais, nickel. Alors, on va aller voir dans la pièce si on trouve une affiche ou pas. Alors, on va essayer de bien ouvrir les yeux. Non. Ok, il n'y en a pas. Alors, ensuite, avec le bol que j'ai, elle va se trouver à la fin du bunker. Enfin, du SS2. Ah oui, toi tu me touches par contre. Et moi je te touche pas, pourquoi? Hey! Hop! Sais plus combien on en a trouvé. Je me rappelle plus. J'ai fait le tour du bocal, j'ai oublié. On va lui mettre un petit CC à lui. Hop, allez, viens la pépère. Je sais plus, on en a trouvé deux, je crois, au SS2 déjà. Avance un peu encore. Voilà, t'es bien là. Impeccable. Allez, encore un petit coup. Nickel. Un ticket jaune, il aurait pu me lâcher un rouge quand même. Hein. Alors, on va regarder dans la pièce si on trouve un poster ou pas. Un jaune, ok. Alors là, est-ce qu'il y en a? Non, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. On va regarder ce qu'il y a là-dedans. Ok, ça me va. Je vais manger un peu. Je vais prendre la flotte. Et ici, normalement, on va devoir trouver de la bouffe aussi. Alors, là-dedans, il y a quoi? Ok, de la bouffe, ça me va très bien. Et on prend la flotte, la bibine, je m'en fiche. Alors lui, on va le négocier à l'arrache. Hein. Oula, j'y vais fort. Hop là. Alors, là-dedans, il y a quoi? J'aimerais bien trouver du caoutchouc, j'en ai besoin. Mais non, on trouve des clous. On va couper le gaz. Là, ça c'est fait. On va se faire la tourelle. Hein. Pour pas qu'elle m'embête. Après, vous n'êtes pas obligé de la faire. Hein. Vous pouvez passer sur le côté. C'est pas une obligation. Hop, puis moi je veux le coffre aussi. On va reprendre la machette. Ma tenue, elle va pas durer longtemps. Ah, des piles, ça c'est bien les piles. Hein. Pour ceux qui demandaient où on trouve des piles à chaque fois. On avait au bunker. On va les mettre en CC. On va négocier les deux petits à l'arrache. Habituellement, je me planque, etc. Mais là, si je fais ça, il y en a pour trois plombes. Hein. Et pour ceux qui connaissent déjà le bunker, c'est voilà. Pour vous, c'est pas très très sympa à regarder. Vous connaissez déjà. Après, là, ce qui est plutôt bien, c'est de regarder où on peut trouver les affiches. Oh, j'étais un peu près de lui. C'est pas grave. Voilà. Ça, c'est fait. Donc là, il n'y a pas d'affiche. Ah, mes vieux démons me reprennent. Je fais le wall trick même avec les petits. Alors que je viens de vous dire, je faisais ça à l'arrache. Tout est parfait. Allez, là-dedans, il y a quoi? Ok, du soin, je prends les rouages, j'en ai plein. Enfin, les rouages, les roulements à billes. Là, il n'y a pas d'affiche. Ok, il y en a peut-être à côté. Ah bah, quand tu veux, tu tapes. Pourquoi je me prends des coups, là? Je suis bien placée, pourtant. Alors,
j'ai perdu ma tenue. On va faire ça. Voilà. Là, c'est mieux parce qu'ils sont un peu plus synchro pour taper. Et du coup, moi aussi. Voilà, nickel. Ah bah ça se fait bien. Oh, petit ticket rouge. Bien fait d'aller dans cette pièce. Ouais, bon, bah il n'y a pas d'affiche. À tous les coups, ils l'ont collé à la fin du bunker. Du SS2. Alors, on va se faire le géant enragé qui est ici. Allez, viens la pépère. Viens. Tu veux? Voilà. On va se planquer derrière ce mur. Et on va attendre qu'il arrive. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs où vous en êtes pour les posters. Combien vous en avez trouvé, etc. Où vous en êtes dans la saison en général. Après, je trouve que ça fait utiliser quand même beaucoup d'armes pour pas grand-chose. Surtout en free-to-play, en fait. Hein, parce que les autres, vous avez... ceux qui mettent un peu de sous dans le jeu, vous avez quand même pas mal de batteries. Vous avez une transmission. Vous avez les bouteilles de gaz, etc. Moi, je crois qu'en free-to-play, on a juste une batterie, quoi. Donc, utiliser autant d'armes de corps à corps pour avoir une batterie, voire deux, si on trouve toutes les affiches. Il me semble que c'est ça. On va vérifier, d'ailleurs. Non, c'est pas là, c'est là. Donc là, il y a une batterie à avoir. Et au niveau des récompenses, en free-to-play, on a une batterie. Voilà, juste une batterie. Donc ça fait un petit peu léger, je trouve, pour toutes les armes qu'on dépense. Même si ce ne sont pas des armes à feu, ce sont quand même des armes. Donc voilà, je trouve ça un peu léger, on va dire. Allez, je vous prends là, un par un. Au suivant. Voilà, nickel. Là, je prends un peu de dégâts, mais bon, c'est pas bien grave. On va prendre un kit. On va le ramener un peu par là. Avance. Avance encore. Avance. Voilà, là, il est nickel. Me concentrer un peu. Mais ouais, pour les free-to-play, c'est vrai que c'est cher payé les deux batteries, je trouve. Hein. Cher payé dans le sens où, voilà, beaucoup d'armes, hein, beaucoup de farms, etc. Bon, bah, toujours pas d'affiche. Hein. Y en a, toi? Ah, j'ai une rondelle là. Ah, il y en avait un là. Oh là, je suis mal placée là. Avance-toi un peu. Voilà. Voilà, là, c'est beaucoup mieux. Bon, donc on a trouvé une affiche ici. Elle était bien cachée quand même, hein. Elle était bien cachée. Ah, j'ai plus d'armes. Hop, on va prendre ça. On va le finir, hein. Bah, je pense que je vais vous faire tout le SS2 en entier. On est bientôt à la fin. Je ne vais pas vous laisser comme ça. On a eu combien de posters d'ailleurs? C'est affreux d'avoir une mémoire de poisson rouge. J'ai fait le tour du bocal, je m'en rappelle plus. Allez, toi même sort. On va faire la même ici. Allez, viens pépère. Je t'emmène. Viens te prendre un petit coup de tatane. Je trouve qu'il fait bien le tour. Oula, j'ai eu peur. D'habitude, il se met pas là. Ah, je suis mal placée là. Voilà. Nickel. Là, c'est parfait. On va se concentrer un peu. Par contre, depuis que j'ai tué l'ours, j'ai pas vu l'event repop. Donc, est-ce que une fois que tu as tué l'ours, tu le trouves plus, l'event? Après, peut-être en zone. J'ai pas été voir. Dites-moi si vous savez dans les commentaires. Mais pour l'instant, pour aujourd'hui, je l'ai tué hier. J'ai pas de, j'ai les deux events n'ont pas repop et j'ai pas été voir en zone.
Parce que ce sera intéressant, imaginez si à chaque fois qu'on bute l'ours, on a 160 fioles. Après, buter l'ours, ça prend quand même pas mal d'armes de corps à corps. Là, j'ai plus de masse à scie, etc. Va falloir que bah, j'en recrafte, que je refarme, même pour les machettes, hein. Donc ça prend énormément de ressources. Bon, il n'y a pas de poster par ici, hein. Alors, là-dedans, il y a quoi? Voyons voir, hein. Un petit ticket, ça me va très bien. Ici, il y a quoi? On va regarder. Ok, un petit ticket vert. Le clou, je vais les prendre. C'était un casier cadenassé, donc je m'attendais à avoir plus. Ah, petit caoutchouc, ça fait plaisir. Impeccable. Alors, on va ouvrir ici. Ah, oh, il y a un poster là. Ah, c'est génial. Alors, on va aller le chercher. Hop! On va mettre un petit CC quand même. Vous voyez, il est là-bas. Allez, venez là, les pépères. On va se mettre là. Ok, il me touche. C'était pas prévu. Avance un peu. Pas trop. Voilà, là, c'est parfait. T'es bien placé. On a trouvé 3 ou 4. Je sais plus. Dites-moi si vous les avez comptés, je les ai même pas comptés. Je les ai même pas comptés. Alors, pas bien midi. Hop, petit poster trouvé. Là-dedans, il y a quoi? Voyons voir. Ok, ça on va prendre. Donc bah du coup, le poster est bien à la fin. On va quand même faire ici, on ne sait jamais s'il y en a un. Avance-toi un peu, pépère. Ah non! J'ai été tuée! Oh le fail! J'ai pas fait gaffe à ma vie. Oh, pas bien! Bon, bah c'est pas grave, on y retourne. J'ai une tenue qui est là-bas, des armes là-bas, du soin là-bas, bah, on y retourne tout de suite, hein. Oh, le gros fail! Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé de mourir au bunker. Bah, je suis désolée. Je suis désolée, franchement. Je m'y attendais pas. J'ai pas été attentive. Le marchand, on s'en fiche. Moi, je veux retourner là-bas. Allez, c'est parti. Je vais pas rester sur un échec quand même. On va aller le fumer, lui. On va le poutrer gentiment. Oh, la clacasse qu'il m'a mis. J'ai pas fait gaffe. Habituellement, je me heal. C'est pas grave. Là, c'est un gros fail. Hein. Allez, petit temps de chargement. Je dois avoir des tenues par là. On va prendre une tenue quand même. Équipée, 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 équipée. Voilà. Est-ce que j'ai des armes là-dedans? Ouais, des armes. On va prendre un pied de biche. C'est bien ça. On va prendre du soin quand même, au cas où, que je refasse pas la même erreur. Bon, bah, on y retourne. Allez, on va se tuer le dernier géant. Oh, le gros fail. Honte à moi. Ah, j'accepte toutes les vannes dans les commentaires à propos de ce géant. Allez-y, faites-vous plaisir, mettez-moi des vannes, vannez-moi, envoyez-moi des petites vannes dans les commentaires. Je les accepte parce que là, c'est vraiment un gros fail. Alors, on va récupérer ça après. On va d'abord le tuer, lui. Viens. On va reprendre là où on en était. Je vais t'amener ici pour plus de sécurité, que je me faille pas deux fois quand même. Allez, viens, pépère, tranquillou. Et on aura fini l'ESS2 et donc on aura trouvé les posters. Les posters du SS2, ce qui est plutôt pas mal. Ok, je suis pas assez près. Voilà, nickel. Quand tu veux, tu tapes. Là, faut pas que je meure, hein, parce que sinon je perds tout ce que j'ai dans mon cadavre. Il faut prendre des risques dans la vie. Allez. Enfin, raisonnable quand même. Là, ça va, je prends pas trop de risques. J'ai ma vie à plein. J'ai des kits de soins.
J'ai le petit pied de biche qui va bien. Voilà. Ah, je l'ai loupé. Quand tu veux, tu tapes. Voilà, c'est mieux. On y est presque. Allez, meurs. Voilà. Alors, on va récupérer nos petites affaires quand même. Après ce gros fail. Hop, voilà. Et on va prendre quand même ce qu'il y a dans le casier. Donc, du coup, dans cette vidéo, nous avons eu validé des tâches, nous avons eu des posters, nous avons eu des fails. Et un petit pack opening plutôt sympa avec une caisse rouge. Franchement, elle est plutôt pas mal parce que on a tenue soit tenue tactique, on a du C4, on a des armes, le réservoir, un rouage pour l'ATV, de l'acide, des capsules. Franchement, j'aime bien cette caisse. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve plutôt pas mal. Enfin bref, quoi qu'il en soit, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. Lâchez-moi un petit pouce bleu, ça fait plaisir. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, bye!